Salut, ça va bien? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo photographie. Donc je vous explique un petit peu ma passion de la photographie, hein, d'où c'est venu, comment. Et donc regardez aujourd'hui on est en forêt. Hein. Donc je pense que ça serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez comme un peu un nouveau décor. Hein. Voilà, ça change un peu de ma chambre où il n'y a pas vraiment de décor. Moi j'aime bien la forêt. Ça représente bien. Moi je trouve que ça représente bien ma passion un peu de la nature, de la photographie. Et en fait, je vais vous expliquer un peu beaucoup de choses sur ma chaîne. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que franchement, vous allez voir des choses qui sont assez intéressantes que je vais vous expliquer d'ailleurs. Et puis voilà, donc on va aller. Donc voilà, là je suis à. Donc là je suis à ma voiture, donc on va aller. On va prendre donc le matériel hein, donc pour la photo. Donc voilà, on va prendre le matériel pour la photo. On va aller faire quelques. Voilà, on va aller partir à la chasse aux champignons. Voilà. Hein. Alors je vais pas cueillir les champignons, hein, mais je vais prendre en photo et. Voilà, on va discuter ensemble et tout, faire une petite rando tranquille. Voilà, hein, ça va changer un petit peu. Moi, j'aime bien. J'ai vu que vous avez aimé un petit peu l'ancienne vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur ma présentation de l'objectif. D'ailleurs, je vous le remets en description là, tranquille, que vous puissiez la voir si vous voulez voir le premier épisode. Donc là, on fait un épisode 2. Voilà, ça me changera les idées et tout ça. Moi, j'aime bien. Donc, allez, c'est parti. On va prendre le matériel. Hein. Bon, on est parti, excusez-moi. J'ai coupé un petit peu là, peut-être j'ai eu un problème. Je me suis demandé si j'avais bien pris par contre mon trépied de camping. Vous savez que j'ai derrière mon sac. Et en fait, je me suis dit, j'ai peut-être oublié quelque chose. Puis au final, en fait, j'avais rien oublié, quoi. En fait, simplement, c'était tombé. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'est tombé juste derrière moi. Oh, bah non, en fait, je l'ai, mais j'avais mal attaché mon sac. J'avais oublié d'attacher mon sac. Enfin, derrière. Bon, allez, on est parti. Donc, on va aller. Dans un endroit où on est susceptible de trouver du champignon. Donc voilà. En même temps, donc voilà, on va faire une petite vidéo là, photographie, chasse aux champignons. Montrer un petit peu. Bon, je suis pas spécialiste du champignon, mais c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné un petit peu sur les espèces qui sont venimeuses, par exemple. J'aime bien savoir un petit peu quel champignon serait très toxique à ne pas manger. Ah, c'est vrai. De toute façon, moi j'aime pas le champignon et de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, moi ce que je conseille, hein, si jamais il y en a qui font la cueillette, surtout renseignez-vous des espèces et surtout faites contrôler ça à la pharmacie. Hein, ne consommez pas ça comme ça sans faire vérifier par un spécialiste parce que ça peut être très très dangereux. Alors, je pense qu'on va aller par là. Je sais que je pense que j'y ai vu des gens manger du champignon. Enfin, manger. Chasser du champignon, donc on va aller. Ah bah regardez, j'en ai trouvé un là, déjà. Ah ouais, il y en a un pas mal là qui est caché juste là. Alors j'espère que mon téléphone est bien attaché. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Caché par les feuilles, il est pas mal celui-là, mais il n'est pas assez exposé. Voilà, j'en ai quelques-uns. Alors ils sont pas. Ouais, faire attention. Voilà, ouais, faire attention parce que ici. Il peut y avoir. Alors oui, il faut toujours bien taper des pieds hein, quand vous allez à un endroit où il y a des feuilles, où c'est un peu monté. Vous pouvez croiser de la vipère. Mais ouais, je pourrais faire des vidéos comme ça, un peu prévention, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que je suis un peu habitué à la rando. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des surprises. Alors, vous voyez, je tape comme ça du pied. Pour pas qu'il y ait, que je croise une jolie vipère ou je ne sais quoi. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand chose ici. Non, écoutez, moi j'en vois pas ici d'intérêt. Oula, regardez-moi ce que j'ai là. Voilà, oh et je marche, vous voyez? Regardez. Ah, regardez-moi ça. Ça, vous voyez ce champignon? Alors ça, je sais plus. Alors je sais plus si ça, c'est pas un champignon mortel ou si c'est un cèpe, je sais plus. On dirait que c'est un cèpe. Ah, je suis pas spécialiste, hein, désolé pour ceux qui sont spécialistes du champignon. Moi, il faudrait que je prenne un livre. Putain, c'est. Oh, franchement, les gens, regardez comment il est énorme. Putain, regardez-moi l'engin. Oui, attends, je sais pas si vous le voyez, mais l'engin. Là, je sais pas. C'est... Ouais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis avec mon tel, je vois où je mets mon objectif.
C'est quoi ça? Mais on dirait que c'est un cep le truc, hein. Et les ceps sont comestibles, hein. Mais je sais pas si j'avais vu ça. Je sais pas si lui, je sais pas si c'est vraiment un cep. Hein. De toute façon, c'est à faire contrôler à la pharmacie et bien se laver les mains. Surtout bien se laver les mains, hein, après avoir cueilli des champignons, parce que pour pas ingérer le venin, on va dire. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Hein. Généralement. Bon, je suis pas spécialiste du champignon, je vous le dis. Hein. Je suis passionné de nature et je pense que je m'achèterais bien un livre sur les champignons, quoi. Ça peut être intéressant. Je sais pas, alors je suis pas là, je vous dis, je suis pas spécialiste. Mais j'aime beaucoup, quoi. On va aller faire des plans à côté. Je vais poser l'appareil. Bon, les gars, voilà, on va aller prendre quelques photos de ce magnifique champignon. On dirait que c'est un cep. Et j'ai sorti le 14 mm 2.8 f/2.8 de chez Samyang, qui est super bien. C'est mon dernier bijou, ça. Je peux vous dire que ça, c'est top. Je vais vous me poser ici, dessus. Alors, allez, j'essaye de. Non, où est-ce qu'il est le champignon là? Ouais, il est là. Il est là. C'est bon. Allez, je vais prendre une petite séquence. Voilà. Alors je vais faire attention, des fois je peux utiliser l'écran, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est loin. Alors, je vais utiliser ce mode-là. Là, j'aurais bien aimé l'écran. J'aurais bien aimé qu'il y ait l'écran. Ah, c'est bon. J'aurais bien aimé que l'écran soit amovible. Comme... Bah, c'est sur le Dell 7500 qui est bien. Putain, chier. Attendez, les gars. Hop. Ouais, du coup, je disais. Bon, bah, je crois que c'est un cep, hein, ce que j'ai trouvé là. Hein. Je crois. Hein. Mais bon. Je m'en renseignerai bien dans le livre, mais tout à l'heure j'avais vu à la télé, hein, ils ont montré des champignons comme ça et je crois que c'est des cèpes. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Après, à faire vérifier à la pharmacie. Bon, allez. Allez, bon, écoutez, on va déménager. Hein. Première partie, direction le prochain spot champignons. Ouais, le premier il était pas mal, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi, je vous mets la photo là que j'ai choisi. Donc voilà, j'ai un peu mon. Voilà, mon dit qui pense sur moi, mon stuff. Ouais, j'ai cru que j'avais tapé dans un champignon. Mais hey, franchement, vous avez vu quand, la taille du truc. Mais je crois que ça, c'est un cep. Hein. Je crois. Hein. Et les ceps, ils sont comestibles. Mais ça, faut faire vérifier. Moi, je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter. De faire vérifier ça en pharmacie. Hein. Bon, moi, j'en mange pas. Donc ça va. Comme j'en mange pas, j'aime pas ça. Oh, regardez-moi ça, la lumière. On voit que je suis en forêt. Hein. Ouais. Oh là là, regardez-moi ça, il y en a d'autres là. Et alors ceux-là par contre, je sais que je les ai vus, ils sont très toxiques et je crois qu'ils sont mortels ceux-là. À ne surtout pas manger, je vous montre. Regardez, ah ceux-là, j'ai bien attaché mon tel. Regardez, vous voyez les blancs là? Alors ceux-là, ils ne sont pas comestibles, hein. Ceux-là je crois qu'ils sont, ils sont vraiment très toxiques. Surtout ne les mangez pas. Ceux-là, vous vous retrouvez aux urgences à l'hôpital si c'est pas la morgue. Ah ouais, non, c'est fou, regardez-moi ça. Ceux-là, ils sont. Je crois que ceux-là, ils sont. Ceux-là, il me semble qu'ils sont vraiment mortels, quoi. Ceux-là, faut pas les manger, faut pas les prendre. On peut en faire quelques photos, mais. Bon, voilà. Il y a un joli champignon là. Et je crois que celui-là aussi, il est mortel. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est toxique celui-là aussi. Ah, faudrait que je me rends. Eh, franchement les gens, faudrait que je m'achète un livre comme ça sur les champignons, savoir lesquels qui sont vraiment venimeux. Venimeux, je sais pas comment on dit ça, mais. Et quels sont venimeux et lesquels sont comestibles? Attendez. Ouais, non. Ouais. Non. Vous voyez, chasse aux champignons, c'est comme la pêche. Soit t'as des belles prises, soit t'as rien.
D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo aussi. Dites-moi, ouais, commentaire. Allez, je pourrais faire des vidéos comme ça aussi. Une vidéo animalier aussi. Je ne changerai rien à vous en faire une. Vidéo photo animalière. Et quoi faire en plus? J'ai un objectif qui peut aller à 400 mm, donc ça peut aller, ça va assez loin quand même. Ça vaut pas le 600, mais c'est très bien. Ça fait bien le taf quand même. Ah, je vous présenterai mes objectifs. Enfin, je vous présente mon matos un peu. Bon, après, c'est pas du gros matos de pro, hein, mais. Je crois que l'appareil que j'ai, c'est un semi-pro. Hein. C'est un semi. Bon, voilà, écoutez, je vais prendre le champignon qui se situe par là. Hein. Donc, voilà, attendez, je ne peux pas faire mieux, j'essaie de... Bon, voilà, écoutez, j'ai fait mes prises là des champignons. Voilà, je vous montre voilà les prises. Hein. Franchement, il est magnifique. Franchement, il est pas mal. Là, c'est bien, là, il y a un peu plus de lumière. Je vais essayer de le reprendre un peu. Écoutez, je reprends quelques petits clichés avant pour la route. Hein, quelques derniers pour la route. Bon, allez. Je vais essayer de le prendre comme ça. Ah, putain. Pas mal. Bon, bah on va démonter le campement. C'est parti, on redémonte tout ça. Voilà, me voilà revenu donc à la voiture. Oh putain, je vous dis pas, regardez-moi comment je transpire. Je pense que je vais prendre une bonne douche là, tranquille. Putain, je vous dis pas comment je suis. Enfin, transpirer, je suis fatigué là, j'ai marché pendant un bon bout de temps là. J'ai passé ça. Bon, bah j'espère qu'en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai aimé en tout cas, j'ai aimé la tournée. Bon, juste là, un peu à la fin, ça m'a un peu stressé, ça m'a énervé. Du coup, j'ai dû couper des séquences, enfin, il y a une longue séquence là que j'ai coupée. Bon du coup voilà quoi, donc bon bah, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, moi je vous dis en tout cas à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker ma vidéo surtout et vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour me soutenir dans ce que je fais, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était GG76, ciao.